Hello tout le monde, c'est Christelle, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ma chaîne Om Veda Ayurveda. Aujourd'hui, j'avais envie de commencer à vous parler d'un sujet qui est assez large, assez vaste, et je vais pas vous en parler vraiment, je pense, dans tous ses moindres détails, d'un point de vue vraiment de l'Ayurveda, parce que l'Ayurveda va voir ça vraiment en profondeur. Mais donc le thème de cette vidéo d'aujourd'hui, c'est alimentation et émotion. J'avais envie de faire cette vidéo parce que le monde émotionnel, pour moi, c'est quelque chose que je trouve vraiment passionnant, très intéressant, et que je pense aussi que la majorité d'entre nous ne connaissons pas suffisamment notre monde émotionnel. D'ailleurs, avant de commencer cette vidéo, je vous invite à laisser en commentaire juste en dessous comment est-ce que vous vous sentez vis-à-vis de vos émotions, comment est-ce que vous les gérez au quotidien, quelles sont peut-être vos galères face à vos émotions. Alors bien sûr, au niveau des chakras, les émotions sont très reliées à notre deuxième chakra, qui est vraiment notre centre émotionnel, mais au niveau de l'alimentation, l'alimentation joue vraiment très fort sur nos émotions. Et j'avais envie d'aborder avec vous, dans cette vidéo, les émotions sous l'angle des doshas. Donc, à quel dosha correspondent quelles émotions et comment est-ce qu'on aggrave, du coup, ces émotions-là liées à un certain dosha et comment on les rectifie. Je vais commencer d'abord par les émotions qui sont liées à Vata. Alors Vata est très dans des émotions anxieuses, de peur, d'instabilité émotionnelle en tout genre. Donc c'est vraiment Vata, ça va être ces montagnes russes émotionnelles avec vraiment un grand penchant pour ces émotions qui sont froides et sèches, donc qui sont en lien avec la peur et l'anxiété. On peut tous être affectés par des émotions de type Vata à tous les moments de notre vie. Effectivement, ça va généralement de pair avec un déséquilibre Vata, sans forcément avoir besoin d'être de constitution Vata. Là où au niveau de l'alimentation, ça va avoir un impact, c'est effectivement si notre alimentation, elle manque de matière grasse et elle manque de cette chaleur et de cette onctuosité. Donc effectivement, pour aggraver encore plus ces émotions, rien de mieux qu'une assiette dépourvue de lipides, avec beaucoup de crudités, et où on mange tout bien sûr qui sort du frigo. Et pour réussir un petit peu à contrebalancer ça, on va plutôt aller sur un apport plus important en matière grasse, des assiettes qui sont plus chaudes, plus onctueuses et généralement un peu plus épicées. Les émotions de type Pitta, ça va plus être la colère, la frustration et l'irritabilité. Rien de mieux pour aggraver ces émotions-là que de manger pimenté et de manger beaucoup de fritures. Pour équilibrer ce genre d'émotions, on va plutôt aller sur une alimentation plus végétale, donc beaucoup moins de viande, beaucoup plus de végétaux, pas mal de fruits aussi qui vont être rafraîchissants, et on va faire attention à l'apport en matière grasse qui ne soit pas trop conséquent. On va aussi éviter toutes les cuissons à trop haute chaleur, du style barbecue par exemple, cuisson au grill. Et les émotions de type kapha vont être sur ce côté froid et en même temps onctueux, lourd. Ça va être principalement la tristesse, la mélancolie et cette impression un petit peu de lassitude. Rien de mieux pour aggraver ça effectivement qu'une assiette qui va être très salée ou très sucrée avec beaucoup de plats en sauce. Et généralement, pour rééquilibrer ça, on va ramener un peu plus de vivacité, un petit peu plus de tonus pour sortir kapha de cette lourdeur-là. Donc on va aller sur des choses qui sont vraiment un petit peu plus piquantes, avec plus de peps aussi au niveau des saveurs. Ça, c'est un petit peu le tour d'horizon des émotions en fonction des doshas. Je vous invite encore une fois, je trouve ça vraiment super bien, si vous pouvez me laisser en commentaire juste en dessous un petit peu, c'est quoi votre lien entre alimentation et émotion? Est-ce que ça a un impact chez vous? Est-ce que ça n'en a pas? Quelles émotions vous allez associer à peu près avec quelle saveur ou quel type de nourriture? Vraiment, ça m'intéresse vraiment beaucoup. Si vous avez aimé cette vidéo, je vous invite à laisser un pouce comme d'habitude pour me le faire savoir. N'hésitez pas, si vous avez d'autres questions aussi, à me les laisser en bas en commentaire, je me ferai un plaisir d'y répondre. N'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne Om Veda Ayurveda, je sors une nouvelle vidéo toutes les semaines, et activer la petite cloche des notifications pour être tenu au courant de la sortie de ma prochaine vidéo. Et sur ce, je vous fais des gros bisous, prenez soin de vous.